L'Olympique Lyonnais, le 17e, affronte le Paris Saint-Germain, le leader. Le PSG pouvait prendre 22 points d'avance sur l'AS Monaco en cas de victoire. Et pour ça, il fallait s'imposer contre l'Olympique Lyonnais. Le PSG, pour l'instant, timore en début de rencontre. Il a failli se retrouver à 10 suite à cette altercation entre Gomis et Ménès. C'est d'abord Ménès qui énerve Gomis. Gomis veut sa revanche. Mais il ne l'aura pas. C'est l'OL qui avance. 21e minute. La frappe de la casette sur le poteau. Pas de chance pour la casette. Pas de but. Pas de 6e but de la saison pour Lyon. À la mi-temps, ça fait 0-0. L'OL qui n'a plus gagné en championnat. On vous le répète, on vous le dit depuis la 14e journée sur une série de 15 matchs sans victoire. Décidément, l'OL n'y arrive pas. Le PSG, lui, pour l'instant, joue pour lui. Et à la 54e minute, c'est Ménez qui offre le but de la victoire. Celui qui avait même offert le titre au Paris Saint-Germain lors de la saison 2012-2013, lors de la 36e journée. C'est quasiment tout pour cette deuxième mi-temps. Le Paris Saint-Germain s'impose 1 but à 0 sans forcer. Et à 22 points d'avance contre l'OL, rien ne va plus. Sans victoire en domicile depuis la 14e journée, l'OL flirte dangereusement avec la ligne de flottaison. L'OL est 17e mec, un point de plus que le premier au Léga.